française de ces divines consolations, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ça vous oblige à être un peu moins. Je vous donne le signal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans notre parcours vers l'au-delà, nous sommes arrivés à la troisième étape, le purgatoire. Donc l'existence du purgatoire, les peines du purgatoire et puis les actes des âmes du purgatoire et ce que nous pouvons faire pour elles. L'existence du purgatoire, nous sommes mis sur le chemin de cette affirmation par un texte de saint Paul. Dans la première aux Corinthiens, il parle d'un prédicateur qui a mêlé à la parole apostolique, donc à la vérité de l'Évangile, quelques doctrines vaines ou inutiles. Et il dit, à propos de ce prédicateur, « Au jour du Seigneur, il sera sauvé, mais comme par le feu. » Et donc ça, c'est le point d'appui néo-testamentaire dans le Nouveau Testament, de cette doctrine du purgatoire qui a aussi déjà des préparations dans le livre des Maccabées. Saint Paul veut indiquer qu'il sera sauvé comme par le feu, qu'il ne sera pas damné, mais qu'il devra expier ses fautes véniels. Une âme, en effet, qui décède avec des péchés mortels pardonnés, mais non totalement expiés par la pénitence, ou bien avec des péchés véniels seulement, passe par un lieu ou un état de purification. Voilà ce qui a été défini de foi divine et catholique par le magistère de l'Église. Vous en trouvez le résumé dans le catéchisme de l'Église catholique qui rappelle cette doctrine toujours tenue par l'Église, cette doctrine traditionnelle sur le purgatoire et qui renvoie, comme souvent, à des textes de l'Écriture, j'en ai cité l'un d'entre eux, au Concile de Florence et de Trente, et puis à deux pères de l'Église, un latin, Saint Grégoire le Grand, et un grec, Saint Jean Chrysostome. Donc voilà l'affirmation pour un catholique qui va nous permettre d'avancer dans la méditation. Donc notre raison, c'est une part importante du travail du prédicateur d'essayer de faire comprendre comment les différents mystères s'harmonisent entre eux et avec la fin ultime de l'homme et comment on peut en parler avec les ressemblances qu'ils présentent avec notre monde. Relation des mystères entre eux, relation des mystères avec la fin de l'homme et puis analogie avec les choses du temps. Donc la raison éclairée par la foi nous fait voir la grande convenance. Vous voyez, une fois que le Christ et l'Église nous ont enseigné, nous ont levé un coin du voile sur l'éternité, notre raison croyante voit que ça va, que c'est convenable. Elle ne peut pas le démontrer, mais elle dit ça va. Donc la grande convenance de cette purification. Au ciel, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, vous savez que c'est l'image qui est très souvent prise, spécialement par Saint Jean dans l'Apocalypse, hein. La Jérusalem céleste, c'est la cité de la sainteté, la cité de la paix. Et le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, nous dit
rien de souillé ne peut entrer. Donc, l'homme qui va rentrer au ciel doit être purifié. La créature rationnelle ne peut être élevée à la vision de Dieu, nous le verrons le jour des rameaux, si nous sommes encore là, nous parlerons du ciel. Donc, la vision de Dieu qui constitue l'essentiel de la récompense et du ciel, et l'ultime béatitude de l'homme, la créature rationnelle ne peut y être élevée par Dieu si elle n'est totalement purifiée. Or, il se trouve que l'âme dans ce monde est souillée par l'attachement dans le désordre à la créature. Vous voyez, dans le péché, les théologiens distinguent deux grands aspects, le détournement de Dieu, aversio ad Deo, qui fait qu'on met sa finalité dans autre chose que Dieu, et puis l'attachement, conversio ad creaturas, l'attachement à la créature, et qui est indigne, si vous voulez, qui est désordonné. Donc, supposons une âme qui meurt en état de péché mortel, supposons une âme qui est dans cette vie en état de péché mortel, elle est donc détournée de Dieu, mais par la contrition parfaite, ou par une contrition imparfaite, c'est-à-dire une contrition qui est un peu appuyée sur la crainte, mais qui n'exclut pas l'amour, bien sûr. Mais cette contrition imparfaite, jointe à la confession, eh bien, elle peut se retourner vers Dieu, elle peut retrouver l'amitié avec Dieu. Donc la peine éternelle, qui est le versant, nous le verrons dans l'instruction sur l'enfer, la peine éternelle, c'est la traduction de ce détournement de Dieu. Cette peine éternelle est effacée et supprimée. Mais il faut expier, pour cette âme qui s'est retournée vers Dieu, il faut expier l'attachement désordonné aux créatures, la conversio ad creaturas, qui méritait une peine temporelle, oui, parce que c'est quelque chose d'anormal, contre la raison, de s'attacher de façon excessive à ce qui n'est qu'un chemin. Si cette purification n'est pas parfaite lorsque la mort survient, elle doit avoir lieu dans l'autre monde. Et c'est justement le fondement, je dirais, intellectuellement rationnel, dans la foi de la doctrine du purgatoire. Je vous avais déjà cité Romano Guardini, parce qu'il a écrit un petit livre sur les fins dernières, qui est intéressant, qui actualise en langage un peu plus moderne les données traditionnelles. Alors voilà ce que fait remarquer Romano Guardini à propos de cette purification. Certes, la grâce de Dieu est tout, mais non sous un mode tel que le défaut dans la conduite de la vie, le gauchissement ou la carence dans l'être ne soit tout bonnement rien. La grâce est tout, mais l'homme existe et il peut faire des choses qui ne sont pas convenables. Ils sont quelque chose, ils le sont devant Dieu, lequel est la vérité. Et son amour, l'amour de Dieu, ne consiste pas à balayer les lacunes de notre finitude, mais les amener à la pleine vérité et à les y pétrir, chacune d'elles jusqu'au plus infime, et chacune entièrement jusqu'à son extrême profondeur, à la plus ténue de ses fibres. Oui, dans cette description de Guardini, nous sentons l'amour de l'homme. L'homme n'est pas un être dérisoire, dont les actes n'ont pas de portée. Tout ce qu'il fait le marque, le pétrit. Et s'il a fait des choses indignes, même non mortelles, eh bien, il doit s'en purifier. S'il ne l'a pas fait dans ce monde, il faudra le faire dans l'autre. Donc cette doctrine du purgatoire manifeste la sainteté de Dieu qui aborde jusqu'à l'ombre du péché. Je pense que c'est un élément important quand vous assistez à la messe au moment du Sanctus, d'essayer bien de se replonger dans la sainteté de Dieu qui est malheureusement trop perdue de vue dans un monde pratiquement athée et aussi dans une chrétienté qui perd un peu malheureusement la dimension de la transcendance. Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il est au-dessus, il n'a pas de faute, hein, il est infiniment retiré dans sa sainteté et en même temps nous allons voir infiniment proche dans sa miséricorde. Et le purgatoire manifeste sa sainteté. Elle encourage l'esprit de pénitence, c'est très important, dans une période où la pénitence n'a pas aussi bonne presse qu'on souhaiterait qu'elle l'eût, pour parler avec un euphémisme.
l'esprit de pénitence, surtout dans ce temps du carême, et elle nous détourne des péchés véniels. Enfin, elle console les pécheurs. La doctrine du purgatoire est consolante, parce que les pécheurs, autrement, désespéreraient de leur salut. Et la doctrine du purgatoire montre que ces pécheurs pourront, par les peines du purgatoire, éviter l'enfer et entrer au ciel. Et enfin, cette très belle doctrine du purgatoire fait toucher du doigt, ou met sous les yeux, ou dans le profond du cœur, la laideur des péchés. Saint Césaire d'Arles dit « Ces péchés, sans pouvoir tuer l'âme, donc les péchés véniels, la rendent cependant difforme, la marque de pustule, et la remplissent d'une horrible lèpre. » Vous voyez le sentiment que le péché est la lèpre de l'âme, ce qu'on voit dans l'Évangile, quand Jésus guérit des lépreux, c'est pour nous faire sentir que la lèpre plus profonde, c'est la difformité du péché. De telle sorte que cette âme puisse à peine, ou avec une grande confusion, venir au baiser du céleste époux. Fin de citation de Saint Césaire d'Arles. Donc voilà, l'existence du purgatoire mise en place, rappelée. Nous allons dire quelque chose, autant que la parole humaine peut approcher ces mystères qui sont au-delà du rideau de la mort, mais qui nous ont été révélés par celui qui a vaincu la mort. Nous allons essayer de dire quelque chose sur les peines du purgatoire, et d'abord sur leur nature. Qu'est-ce qui se passe au purgatoire? Qu'est-ce que c'est que cette purification que vivent, en y acquiesçant, hein, les saintes âmes du purgatoire? D'abord, la nature de ces peines, il y a comme peine principale le retard de la vision béatifique. C'est-à-dire que l'âme au purgatoire, ce dont elle souffre le plus, c'est de ne pas voir celui qu'elle aime, Dieu, parce qu'elle est en état de grâce. L'âme séparée du corps voit clairement que Dieu est son unique fin ultime, et elle appréhende vivement l'immensité du souverain bien. Ensuite, elle désire de façon véhémente le voir et être unie à lui, hein, et elle l'aime ardemment. Vous voyez, elle connaît, et elle désire, et elle attend. L'âme est dans le terme, c'est-à-dire que l'âme a conscience que, vous avez cité ce passage de Dostoïevski sur le temps où on peut sacrifier sa vie à l'amour, il est fini dans l'au-delà. L'âme est dans le terme, nous ne sommes plus dans la voie. Après la mort, c'est le terme, où elle devrait jouir de la béatitude. Et elle sent que c'est par sa faute, parce qu'au purgatoire, on y est par sa faute, qu'elle ne jouit pas encore de Dieu. Évidemment, elle en souffre, et elle regrette vivement sa négligence à faire pénitence. Voilà donc l'essence du purgatoire. C'est le retard de la vision béatifique. C'est évidemment très différent de la peine du dent dont nous parlerons à propos de l'enfer, parce que cette privation est temporaire. Mais on sait que voilà, ça va durer un temps, du temps mystérieux de l'au-delà, dont je vous ai parlé dans la première instruction. Cette privation est temporaire, et cette privation est unie aux vertus d'espérance et de charité. Et enfin, elle s'accompagne, ça c'est très très important, elle s'accompagne de la volonté d'accepter ce moyen providentiel de purification. Si j'ai coupablement retardé par le péché véniel ma marche vers la vision de Dieu, il est juste que j'attende avant d'y être admis. Vous voyez, la doctrine du purgatoire, en langage moderne, on dirait elle est décoiffante, hein, parce que ici-bas, on est quand même dans le monde de l'à peu près, souvent du mensonge, de la combine, etc. Et souvent, on froisse la vérité sans y accorder beaucoup d'importance. Mais en fait, ça nous met mal, parce qu'on n'est pas dans notre conscience. On voit bien que, oui, les officiers de la Légion disent, quelquefois, il y a les hommes qui viennent les voir en disant « mon capitaine, j'ai fait une bêtise », enfin, ils emploient un autre mot un peu plus direct, hein. « Punis-moi ». Et donc, ils prennent la peine et ça va mieux après. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a le sentiment que le droit du délinquant, je vous l'ai déjà dit, c'est la peine. Et là, donc, l'âme se rend compte, quoi, c'est par sa faute, c'est juste, quoi. Et la justice, c'est bien. C'est très bien, la justice. Or, vous le savez, dans ce monde, elle est plus ou moins bien réalisée. Donc, cette peine du dent, c'est vraiment intéressant. On pourrait, voilà,
pourrait prendre certains analogues, je le ferai peut-être un peu plus loin. Donc il y a cette peine essentielle, le retard. Et celui que j'aime, hein, je vais le voir, mais je ne le vois pas, je voudrais le voir et c'est pas ma faute. Il y a aussi une peine du sens, parce que l'homme est corps et âme. Donc nous avons péché avec l'instrument du corps, avec la complicité, l'amitié de notre corps, l'amitié association de malfaiteurs, si vous voulez, quand c'est le péché. Hein. Bon. Mais enfin, on pêche avec le corps. Donc il y a une peine du sens qui est due à l'attachement désordonné à la créature. Oui. Dans les livres de la sagesse, il y a des images, et puis aussi dans l'imitation de Jésus-Christ, on sera châtié par où on a péché, avec des descriptions très poétiques. Enfin, et puis aussi chez Dante, par exemple, dans le purgatoire et dans l'enfer, on a la pénitence correspondant au péché qu'on a fait de ça. Alors, c'est pour essayer d'illustrer de façon un peu imagée, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, cette réalité que le fait de mésuser du monde, du cosmos et de moi et des autres me marque, voyez, c'est indigne, quoi, ça me blesse, enfin, ça me traumatise. Donc, il va falloir nettoyer tout ça. Hein. Donc il y a une peine du sens. Alors la doctrine commune des pères de l'Église latine, ici j'ai cité dans mes notes Saint Cyprien, un père de l'Église d'Afrique, et puis Saint Augustin, aussi encore un autre berbère, Saint Grégoire le Grand, un romain. Donc c'est la doctrine commune chez les latins, mais on la trouve aussi chez quelques pères grecs. Il ne faut pas penser que les grecs ont une vision séparatiste sur ce point-là, du moins les plus anciens pères. Par exemple, Saint Grégoire de Nice, qui est quand même un des quatre grands de la galaxie des pères de l'Église orientale. Saint Grégoire de Nice, il ne pourra participer à la divinité, celui dont nous parlons, qu'après que le feu purificateur aura purifié la tâche dont son âme est souillée. Donc, cette doctrine commune affirme que c'est un feu, le mot feu figure chez Saint Paul et dans la liturgie, un feu purificateur qui est l'instrument de cette peine. Alors que ce feu soit réel, autant que peut l'être, nous le verrons quand nous parlerons du feu de l'enfer, réel au sens, oui, c'est-à-dire pas simplement moral, quoi. Que ce feu soit réel ou qu'il s'agit d'une métaphore pour exprimer une vive souffrance, ça n'est pas tranché par l'Église, à la différence de la nature du feu de l'enfer. Je dirais, peu importe, l'admirable canon de la messe romaine, vous savez, quand vous assistez à la messe ici, et que vous assistez à la forme extraordinaire, par exemple, le prêtre prononce le canon le plus ancien de toute l'Église, d'Orient et d'Occident, hein, le canon que le Concile de Trente a déclaré pur de toute erreur. C'est un cas absolument unique dans la liturgie. Donc dans ce canon, le canon romain, de la messe romaine, nous demandons, quand nous prions pour les défunts, un lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix. Et le rafraîchissement, la lumière et la paix, ça nous montre comment l'Église sait nous éduquer avec la poésie aussi. Alors je vais vous lire un passage un peu plus long, justement, de Romano Guardini, justement, sur cette méditation pour un peu visualiser ce pourquoi, ce comment du feu purificateur du purgatoire. Le jugement, je l'avais déjà souligné dans la deuxième instruction, c'est pour l'homme de se voir tout entier sous la sainte lumière de Dieu. C'est ça le jugement. La lumière de Dieu et nous, et on se voit. Voilà. Avec les circonstances et les causes, le fortuit et l'essentiel, le dehors, le dedans et le tréfonds. Ce qui est connu jusqu'à ce jour et ce qui est caché. Peu importe que ce soit pour avoir été situé trop profondément, oublié, refoulé ou contenu. Dans la liturgie, nous disons, dans la liturgie latine, purifiez-moi des fautes que j'ai oubliées, mais que j'ai quand même commises. Voilà. Tout y passera, nous dit Guardini. Et l'homme qui est au purgatoire voit cela sans qu'aucun écran ne l'en préserve. Ce qui d'ordinaire rend insensible, qu'est-ce qui nous rend insensible ? L'orgueil, ça ne me concerne pas. La vanité, je suis au-dessus de ça. Le refus, je rejette ces imaginations mythiques des chrétiens.
l'indifférence, répondu. Donc tout cela est loin, c'est le temps de la vérité. L'homme est tout ouvert, tout sensible, tout concentré, et il veut. Il se tient dans le sens de la vérité contre lui-même. C'est magnifique ça. Et que nous autres prêtres qui avons parfois des confessions bouleversantes, on a vraiment le sentiment, quelqu'un qui revient vers Dieu après 30 ans, qui se tient debout dans le sens de la vérité contre lui-même. Oui. C'est magnifique. Que l'important, c'est la vérité. C'est magnifique d'être vaincu par la vérité. D'ailleurs, c'est une victoire. Il est prêt à affronter tout ce qui, en sa propre vie, fut négligé, fait à demi ou chaotique. En proie à une mystérieuse souffrance, le cœur s'offre au repentir et se livre au pouvoir sacré de l'esprit créateur. Grâce à cela, continue Gardini, ce qui fut omis est donné à nouveau par Dieu. Ce qui fut fait de travers, remis à sa place. Et l'horloge, on la règle parfaitement. Le cours du mal est comme dévidé à rebours et transféré au bien. Le Pugata, c'est une gigantesque machine à mettre au propre, si vous voulez, le brouillon, les passages brouillonneux de la vie. Il ne s'agit pas de perfectionnement extrinsèque, mais de ce que tout soit traversé par le mystère de la grâce recréante qui opère dans le repentir et que tout soit restauré ainsi. Fin de la citation de Gardini. Donc c'est intéressant de voir cette situation de l'âme, de l'homme, dans la plénitude de la vérité. Ensuite, l'intensité des peines. Alors là, c'est un chapitre un peu effrayant. Hein. En préparant, je me disais, mais voilà, ça va faire peur aux gens. Mais c'est fait pour ça. C'est mieux. Il faut avoir le courage d'avoir peur, disait le père Marie-Dominique Molinier, un dominicain décédé il y a quelques années. Le courage d'avoir peur. Il faut surtout avoir le courage d'être dans le vrai. Alors je vais vous dire ce que disent, et encore je n'ai pas pris les plus durs, c'est ce que disent les pères de l'Église. Peut-être quelqu'un dira-t-il, c'est toujours Saint Césaire d'Arles, un père provençal, comme son nom l'indique. Peut-être quelqu'un dira-t-il, peu m'importe combien de temps il me faudra attendre, du moment que j'arrive à la vie éternelle. Oui. Être reçu tout juste à l'examen, quoi. Ben, ça ne marche pas. Que personne ne dise cela, frères et très chers, car ce feu purificateur sera plus dur que tout ce que l'on peut penser, voir ou sentir en fait de peine en ce monde. Et en note, j'ai rajouté un texte de saint Augustin. Purifiez-moi, dit saint Augustin en parlant à Dieu. Purifiez-moi en cette vie. Et rendez-moi tel que ce feu purificateur ne soit plus nécessaire. J'en parlerai à la fin si vous vraiment désirez aller au ciel directement. C'est possible. Car ce feu sera plus pénible que tout ce que l'homme peut souffrir en cette vie. Réédition de Saint Césaire d'Arles. Et Sainte Catherine de Gênes, donc une sainte qui a dicté enfin, un fameux traité du purgatoire assez impressionnant, qui théologiquement est juste. Hein. Ce n'est pas une révélation discutable. Hein. Enfin, elle n'est pas deux fois, mais elle est intéressante. Traité du purgatoire, c'est une peine si excessive que la langue ne saurait l'exprimer, ni l'intelligence en concevoir la rigueur. Donc ceci étant dit, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et c'est toujours très intéressant. Alors, en général, le catholicisme est intéressant, enfin, c'est ce que je remarque. Ça fait 46 ans que je l'étudie, et plus je l'étudie, plus je trouve que ça tient la route. Quoi. C'est... Bon. Le péché véniel est quelque chose de très grave. Plus grave que le mal physique, oui. Et l'autre vie est le temps de la rigueur et de la justice. Je vous avais cité, dans Saint Jean Chrysostome, quand le théâtre de cette vie sera passé, on ne pourra plus gagner des couronnes, ce sera le temps de la justice. Les âmes séparées, privées de l'unique objet de leur désir, ne veulent que Dieu. Aucune distraction sensible ne les divertit. Et il me semble que l'exemple, c'est celui d'un amoureux. Vraiment un gars qui est complètement, voilà, c'est l'amour extrême, et sa bien-aimée n'est pas là, vous pouvez lui raconter tout ce que vous voulez, ça ne va pas. Vous voyez ? Il n'y a rien qui le divertit. Quoi. C'est très parlant. Hein, quand l'être aimé n'est pas là, que compte le monde ? Enfin, bon, là, c'est Dieu.
La pureté de leur foi, parce que les âmes du purgatoire ont la foi, leur fait saisir la sainteté de Dieu et la gravité du péché. Nous sommes d'ailleurs ici dans un autre ordre de douleur et de mal que celui de l'ici-bas, ce qui rend difficile toute comparaison. C'est comme pour les durées, je vous en ai parlé à la deuxième instruction. On balbutie, on essaie voilà, de méditer, mais on sait que la vérité est toujours au-delà de ce qu'on dit, sans pourtant qu'on dise des erreurs. Ces peines sont inégales, les peines du purgatoire, selon l'intensité de la charité, bien sûr, et aussi selon le degré d'affection désordonnée aux créatures qu'il faut purifier. Donc plus on a été attaché de façon désordonnée à telle ou telle passion mauvaise, ou telle, plus la peine est forte, c'est normal, c'est l'essence d'une peine. Hein, c'est la contrepartie raisonnable de ce qui a été déraisonnable. Hein. Donc c'est beau la peine, d'une certaine façon. Hein. Et donc ces peines diminuent au fur et à mesure que la dette est payée. Donc dans cette durée mystérieuse de l'au-delà, il y a des actes spirituels, et plus l'âme du purgatoire fait ses actes d'acceptation, elle accepte passivement tout cela, et puis c'est, voilà. Donc citation de Sainte Catherine de Gênes, fameux traité du purgatoire, « Au fur et à mesure que se consume la rouille des péchés, les âmes sont rendues participantes de la lumière du vrai soleil qui est Dieu. Par suite, autant la rouille disparaît, autant la joie s'accroît, et l'âme s'ouvre au rayon divin. » On retrouve la thématique de la lumière que j'avais développée à la fin de l'instruction sur la mort. Fin de citation de Sainte Catherine de Gênes. Et ce qui adoucit ces peines et les rend difficilement comparables aux nôtres, c'est qu'elles sont mêlées de joie. Les âmes du purgatoire sont des âmes saintes, des âmes dans l'amitié de Dieu. Elles savent qu'elles ne peuvent plus perdre la bienheureuse vision qui les attend. Donc là, c'est un paragraphe intéressant de notre méditation. Il y a une joie mystérieusement conjointe aux peines du purgatoire. Les âmes saintes du purgatoire sont toutes absolument certaines de leur propre salut et la Sainte Église a condamné la proposition contradictoire soutenue par Martin Luther. Donc elles sont sûres de leur salut. Comme le dit le memento des défunts du canon romain, que nous avons cité tout de suite, hein, un lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, elles dorment du sommeil de la paix. Donc l'image du sommeil que Jésus emploie aussi, hein, qui est dans la langue grecque aussi, c'est le mot qui permet de désigner voilà, cette paix. Voilà. Mais là, ce serait une paix profonde, parce que la certitude, Saint-Louis-Marie, mon patron, est mort en disant « je ne pécherai plus ». Donc, vous voyez, il n'y a plus de péché véniel. Pourtant, ses péchés véniels, à lui, n'étaient pas très gros. Mais bon, c'est vous montrer comment il aimait Dieu. C'est comme le curé d'Ars. Hein. Donc, on est sûr qu'il n'y aura plus aucun péché. C'est comme sympathique, non ouais. Elles savent donc, ces âmes du purgatoire, qu'elles sont sauvées. C'est merveilleux. Qu'elles sont sauvées et qu'elles ne peuvent plus offenser Dieu, même véniellement. Et là, de nouveau, l'Église a condamné Luther, qui affirme que ces âmes pêchent sans arrêt. En effet, les âmes sont dans l'état de terme, elles sont arrivées au bout du voyage. Et dans cet état où elles se trouvent, elles demeurent fixées dans leur choix de Dieu. Je vous avais dit en parlant de la mort que, voilà, après la mort, il y a le jugement. Tout de suite, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de... premier instant où l'âme s'est séparée du corps, point, terminé. Donc on passe dans l'état de terme. Et je vous avais dit donc aussi que, en citant un texte du livre Sapientio de l'Ancien Testament, l'arbre tombe du côté où il penche. Et ce même livre dit, en quelque lieu que l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Au midi ou au septentrion, voilà. C'est-à-dire, voilà, l'âme reste dans l'état où elle s'est trouvée. Ces âmes ont toujours la foi, car elles ne voient pas encore face à face le mystère de Dieu. Elles savent que Dieu existe, elles en voient les effets en eux, dans les idées que Dieu leur met dans le cœur, mais elles ne voient pas le visage de Dieu. Le mystère de Dieu, qui dépasse toute connaissance, même la connaissance angélique naturelle.
Donc elles ont toujours la foi, elles ont l'espérance et toutes les vertus et les dons du Saint-Esprit. Elles ont la charité. Elles aiment la sainte volonté de Dieu par-dessus tout. Ce qui explique qu'elles souffrent sans révolte leur juste peine. Il y a un beau passage aussi dans Catherine de Gênes. L'âme qui se séparant du corps ne se trouve pas dans toute la pureté où elle a été créée et qui voit que cet obstacle qui l'empêche de retourner dans cette pureté et de se réunir à sa dernière fin ne peut lui être ôté que par les flammes du purgatoire, s'y jette avec d'autant plus d'impétuosité. Donc il y a un acquiescement complet à la volonté de Dieu et à cet instrument providentiel qui est l'antichambre de la béatitude. Bien plus, ces âmes aiment leur purification qui est due à la sainte justice de Dieu et qui les rapproche de lui, les rendant aptes à la vision, qui est le but de notre vie, hein, c'est de voir Dieu. « Je veux voir Dieu », disait la Madre Teresa de Ávila, Sainte Thérèse d'Ávila. C'est le début de sa vie. Et ça doit être le nôtre. Sainte Catherine de Gênes va jusqu'à affirmer « Il me semble qu'il est impossible de trouver aucune joie qui puisse se comparer à la joie de l'âme sainte au purgatoire, exception faite de la joie des bienheureuses au paradis. » Le poète, un des plus grands poètes de l'Occident, Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie, donc avec ses trois livres, « L'enfer, le purgatoire et le ciel », c'est absolument un chef-d'œuvre fait par un esprit extrêmement doué en littérature et bien formé. C'est un grand disciple de saint Thomas d'Aquin. Donc saint Thomas, Dante Alighieri a écrit le livre aussi du purgatoire. Et pour lui, le purgatoire est une montagne avec des paliers. Et avant d'attaquer l'ascension, hein, il est toujours accompagné par Virgile qui lui a fait visiter l'enfer et qui l'accompagne jusqu'à l'entrée du ciel. Après, Virgile se retire. Et donc, quand il rentre, quand il va monter, l'ange marque la lettre P, cette fois sur le front de Dante. P, un péché, vice, voilà. Et ça symbolise les sept péchés capitaux. Les péchés capitaux, c'est des vices qui sont la source de péché. Alors, chaque fois que le poète franchit une des corniches, c'est magnifiquement décrit, vous voyez, des purifications du purgatoire, un des P est effacé. L'ange vient et lui efface une des lettres P. Et il entend un chant merveilleux, le chant angélique, qui est le chant de la béatitude correspondante. Par exemple, au sortir du purgatoire de l'orgueil, il entend chanter « Bienheureux les pauvres en esprit ». Parce que chaque vice, en fait, est opposé à un des dons du Saint-Esprit. Au sortir du purgatoire de l'envie, il entend chanter « Bienheureux les miséricordieux ». C'est absolument magnifique ce passage. Et au terme, lorsqu'il est arrivé sur le plateau, avant de lever les yeux vers Béatrice et la vision béatifique, Virgile lui dit « N'attends plus mes paroles et mes conseils, tu vas rentrer dans un ordre purement surnaturel qui m'est inaccessible à moi, représentant de la sagesse antique. N'attends plus mes paroles et mes conseils, ta volonté est libre. » Vous voyez l'enjeu, c'est la liberté de la volonté. « Ta volonté est libre, droite et saine. Ce serait faillir de ne pas faire selon ton désir. » Maintenant, une fois purifié, suis ton désir et tu rentreras au ciel. C'est le sens profond du mot de saint Augustin. D'aimer et faire ce qu'on veut dans l'influence de l'amour de Dieu et du prochain. Oui, vraiment, pour Dante, on a pu le dire à juste titre d'un auteur contemporain, le père Bott, qui a écrit sur le temps du purgatoire. Et il disait, pour Dante, le purgatoire est un accélérateur du désir. C'est très bien vu. Donc, nous avons vu l'existence du purgatoire. Nous avons essayé de balbutier quelque chose sur les peines du purgatoire et il nous faut dire ce que font ces âmes, qu'est-ce qu'elles... Alors, qu'est-ce qu'elles font en attendant la vision ? Elles peuvent faire des actes libres, des actions naturelles, mais qui n'ont pas de valeur méritoire. Donc, ils ne vont pas augmenter la charité. Et par conséquent, elles ne peuvent pas se satisfaire, vous voyez ? C'est-à-dire, la satisfaction, c'est... Vous prenez volontairement une peine qu'on ne vous a pas imposée
afin de compenser une violence, une injure, un désordre. Et Dieu voit que vous le faites librement, et regardant la valeur de la personne qui fait cela, eh bien, il remet les choses, vous voyez, comme quand un saint fait pénitence pour un pécheur, Dieu lui remet les choses volontiers, ou quand c'est quelqu'un qui a énormément de qualités et qui n'a aucune dette par rapport à nous, qui nous fait une... Voilà, qui prend sur lui les conséquences nocives de nos mauvais actes, nous sommes extrêmement touchés, parce qu'il les a pris librement. Oui. Donc Dieu regarde ça, et du fait de ce libre choix, et l'exemple, disons, infini, c'est le Christ, hein, parce que le Christ n'avait aucune dette par rapport au mal, il a tout pris sur lui. Et donc le fait de prendre ça, l'assomption libre de la peine due à nos péchés, Dieu l'a regardé, et la satisfaction a été infinie. Donc, de telle sorte que pour une même faute, la peine jointe à la satisfaction est moindre qu'elle ne le serait autrement. Donc, mais l'âme de purgatoire ne peut mériter, donc elle ne peut satisfaire. C'est à nous de satisfaire pour elle. Elle peut seulement satispâtir, souffrir ce qu'il faut, souffrir ce qui est requis en stricte rigueur pour compenser ses fautes. Ici-bas, on peut dire que avec Dieu, on peut régler ses dettes à l'amiable parce qu'on peut satisfaire, mais au purgatoire, on paye à la taxe. Si vous relisez le petit apologue de Jésus dans le chapitre 12 de Saint Luc, hein, dit quand tu vas au tribunal avec ton adversaire, mets-toi d'accord en route, comme ça tu vas t'entendre à l'amiable, plutôt que d'arriver devant le juge qui lui va te faire payer jusqu'au dernier centime. Hein. Donc ces âmes, voilà, elles sont dans la satisfaction. Voilà. Et il n'est pas douteux qu'elles prient, ça c'est très intéressant, les âmes du purgatoire prient. Pourquoi ? Ben parce qu'on s'est occupé uniquement à de saintes pensées, à de pieux désirs. Et donc, la prière, c'est ça, c'est exposer à Dieu son désir, c'est pas plus compliqué que ça. Elle demande à des grâces par une prière impétratoire, une prière de demande qui est fondée uniquement sur la miséricorde de Dieu. Même un pécheur peut faire une prière impétratoire, même s'il n'est pas en état de grâce, parce qu'il fait appel à la miséricorde. Dieu écoute les supplications de ses âmes qui lui sont chères. Et pour qui prient-elles ces bonnes âmes du purgatoire? Elles supplient Dieu d'obtenir que des suffrages soient offerts pour elles, qu'il y ait des messes, qu'il y ait des pèlerinages, des prières pour elles, et que d'autre part, Dieu leur applique ces suffrages ainsi offerts. C'est assez intéressant parce que c'est un point sur lequel les chrétiens ont une certaine dévotion, oui, les âmes de leurs défunts. Et il est consolant pour eux de savoir que certes, il faut prier pour toutes ces âmes, mais que les suffrages particuliers ont plus de valeur que les suffrages généraux. Oui, c'est... Parce que voilà, parce qu'il y a cette intention de celui qui a offert. Mais d'autre part, c'est une doctrine commune qui est enracinée dans le sens commun des fidèles et qui découle du dogme de la communion des saints que les âmes du purgatoire peuvent prier pour nous. Et ça, c'est assez touchant. Les âmes du purgatoire, c'est l'Église souffrante, avec l'Église triomphante au ciel, paradis, avec nous ici-bas, l'Église militante, c'est un seul corps vivant sous une même tête qui est le Christ, avec une même vie, la grâce sanctifiante, et une même âme incréée qui est l'Esprit Saint. Ces âmes connaissent au moins en général les périls auxquels nous sommes exposés, elles ont vécu, elles savent que la vie est périlleuse. Et combien nous avons besoin de l'aide divine. Et elles se souviennent de nous. Elles se souviennent de nous. C'est touchant, ça. Les âmes du purgatoire se souviennent de nous. Oui. Elles peuvent donc avoir aussi révélation par Dieu ou par les anges de ce qui concerne le monde des vivants. Et donc, elles peuvent prier spécialement pour tel ou tel de leurs proches. L'Église ne réprouve pas la pratique privée des fidèles de prier les âmes du purgatoire. L'Église ne prie pas publiquement les âmes du purgatoire, mais et puis ça se fait, ça va bien. C'est typiquement les vérités qui découlent du bon sens de l'Évangile et qui est d'abord vécu par la contemplation du peuple avant même que le magistère ne mette ça en forme. C'est un commerce de charité d'offrir à Dieu des prières pour ses âmes et de leur demander, en amicale réciprocité, enfin c'est pas un marchandage, hein, c'est d'obtenir pour nous des grâces. Et le catéchisme de l'Église catholique dit « Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. » Donc vous voyez, un document du magistère qui évoque
sans la définir, cette prière des âmes pour nous. Alors maintenant, les suffrages, qu'est-ce que c'est que ces fameux suffrages qu'on peut offrir pour les âmes du purgatoire? Bien, les suffrages, ce sont des secours spirituels. C'est tout ce qui peut être offert pour la rémission de la peine que doivent acquitter d'autres personnes. C'est ça un suffrage. Le Saint-Sacrifice de la Messe, les prières, les aumônes, les jeûnes, les pèlerinages, les indulgences, donc la doctrine des indulgences a été magistralement rappelée par Paul VI, Indulgentiarum Doctrina, c'est extrêmement complet, c'est un très très beau texte. Donc tout cela, appliqué par l'autorité publique de l'Église, les indulgences, qui puisent dans le trésor des satisfactions du Christ et des saints, tout ça c'est des suffrages. Alors que ces suffrages, ça c'est un point dogmatique intéressant, qui n'est pas partagé par nos frères protestants, mais qui est vrai quand même, que les suffrages puissent être appliqués aux âmes du purgatoire et qu'ils leur profitent. C'est ce que l'Église professe comme une vérité de foi au concile de Lyon II, de Florence et de Trente, également la profession tridentine de Pie IV et catéchisme de l'Église catholique. Et d'après les pères de l'Église, c'est une institution qui remonte aux apôtres eux-mêmes que d'offrir le sacrifice et de prier pour les âmes. Tout simplement parce que c'est fait partout. Depuis qu'on connaît des liturgies et des textes de prière, on prie pour les défunts. Citation de saint Jean Chrysostome. Ce n'est pas en vain qu'a été établi par les apôtres, donc pour lui par les apôtres, cette loi fixant que dans les vénérables mystères, ces vénérables mystères, c'est le nom que les Grecs donnent facilement à la messe, ce que nous appelons la messe chez les latins, on fasse mémoire de ceux qui sont décédés. En effet, en cet instant où tout le peuple se tient debout, priant les mains étendues, unis au corps sacerdotal, et où se déroule le redoutable sacrifice, c'est un mot qu'on trouve souvent chez lui, la messe c'est un redoutable sacrifice pour eux, que redoutent les démons, comment n'apaiserions-nous pas Dieu en priant pour eux? Donc c'est très beau, dans le rite byzantin, avant qu'on prépare les parcelles pour la messe, il y a une série spéciale pour les défunts, une autre avec des petits morceaux de la prosphore, et puis il y en a pour l'évêque qui m'a ordonné, alors chez les morts s'il est décédé, chez les vivants s'il est vivant, oui, c'est très touchant. Voilà un bel effet de l'unité du corps mystique, une circulation vivante des satisfactions et des supplications. Il faut donc recommander à tous les fidèles de prier pour les âmes du purgatoire, surtout les plus délaissées. Ça ne veut pas dire qu'on demande qu'elles rendent en priorité au ciel. Il y a quelquefois des traductions approximatives de la prière de Fatima, mais c'est vrai que la Sainte Vierge, ou plutôt l'ange de la paix, nous a demandé de réciter cette prière pour élever vers le ciel, vai para o céu todas as alminhas, c'est-à-dire faire monter vers le ciel toutes les âmes, et en secourant spécialement celles qui ont le plus besoin d'être tractées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont passer les premières. Bon, mais enfin, peut-être une petite parenthèse. Voilà. Mais enfin, il faut prier pour elles. Voilà. Donc, Dieu est libre d'appliquer le suffrage selon sa sagesse. Les suffrages particuliers profitent plus que les suffrages communs. Mais si Dieu n'applique pas le suffrage à une âme pour laquelle il a été offert, par exemple, si nous prions pour quelqu'un qui est déjà au ciel, Dieu va appliquer le suffrage à quelqu'un d'autre. Ou bien peut-être nous prions pour un défunt, mais Dieu l'appliquera notre suffrage à une âme qui en a plus besoin, ou à une âme qui l'a plus méritée parce que quand elle était sur la terre, elle a prié pour les âmes du purgatoire. Que les prières des justes, écrit le pseudo-Denis, mais il y a un texte tout à fait équivalent, c'est saint Augustin. Pseudo-Denis, c'est un père syriaque du 5e siècle. Que les prières des justes, ici-bas déjà, mais a fortiori pour les morts, ne soient utiles qu'à ceux qui les méritent, ceux qui ont vécu de telle sorte que, après leur mort, les suffrages leur arrivent. C'est bien la vraie doctrine que nous ont transmis les Écritures. Donc c'est assez consolant de faire du bien aux âmes du purgatoire aussi, parce que voilà, on sait que les fidèles après nous prieront pour que du bien nous soit fait aussi. Et en tout cas, c'est consolant parce que cette doctrine nous incite à exercer la miséricorde envers les pauvres âmes des défunts, à nous montrer reconnaissants pour les bienfaits reçus d'elles durant leur vie, et à réparer les torts positifs ou par omission que nous pourrions avoir à leur égard. Alors, les gens cultivés connaissent le poème de Baudelaire, « La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. »
Donc je vous laisse voir la suite si vous avez Baudelaire chez vous. Mais disons que c'est au point de vue laïque, c'est qu'une bonne transition, disons analogiquement, de ce que nous pouvons faire nous surnaturellement. Donc le purgatoire ne durera pas au-delà du jugement général. Quelle vive incitation à supplier la miséricorde de Dieu d'abréger les peines de ces pauvres âmes. Souvenez-vous de tous ceux qui se sont endormis, dit la liturgie byzantine, avec l'espoir de la résurrection pour la vie éternelle. Faites-les reposer, ô notre Dieu, où règne la lumière de votre face. Conclusion, l'aiguillon du désir et le feu de l'amour. Aspirons à la bienheureuse vision avec un véhément désir. On a dit le purgatoire est un accélérateur du désir, ben accélérons-nous nous, tout de suite ce désir. Cette existence du purgatoire nous montre que la tendance à la perfection est pour tout le monde et que la doctrine de Saint Jean de la Croix, qui est aussi pour tout le monde, puisqu'il est docteur mystique de l'Église grâce à l'acte de Pie XI, et de doctrine qui a été mise à notre portée par les pères carmes et dominicains des dernières décennies, elle montre l'importance d'accepter ces purifications sur la terre de telle sorte que nous arrivions en état de voir tout de suite celui que nous aimons. Sainte Catherine de Sienne nous dit « Cultivez l'aiguillon du désir. C'est avec le désir de l'âme que l'on expie. C'est par la vraie contrition, c'est par le regret du péché que l'on satisfait à la faute et à la peine. Une souffrance finie, dit Catherine, est impuissante. Il faut le désir infini. » Donc ça aussi, c'est extrêmement consolant. Et enfin, livrons-nous, donc cultivons le désir, demandons la grâce de désirer, et livrons-nous au feu de la miséricorde, qui est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je terminerai donc en lisant ce que dit Thérèse de l'Enfant Jésus après son acte d'offrande à l'amour miséricordieux. « Je ne puis craindre le purgatoire, dit-elle. Je sais que par moi-même, je ne mériterai pas même d'entrer dans ce lieu d'expiation, puisque les âmes saintes peuvent seulement y avoir accès. Mais je sais aussi que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Je sais que Jésus ne peut désirer pour nous de souffrances inutiles et qu'il ne m'inspirerait pas les désirs que je ressens s'il ne voulait les combler. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.